On se rend compte de toute cette pluralité de formes dans le texte biblique, la Bible elle-même qui est cette grande bibliothèque. Avec tous ces livres écrits à des périodes différentes, tout ça nous montre qu'on ne peut pas lire la Bible d'une façon linéaire, en l'apprenant au pied de la lettre, hein, disons d'une certaine manière. Il faut arriver à lui donner du relief en comprenant la façon dont les auteurs ont voulu s'exprimer. Et c'est ça, finalement, le message qu'il faut retenir, c'est quand je lis un texte de la Bible, je dois me mettre à la place de l'auteur, de dire voilà. Cet auteur, il a vécu à une époque, il vivait dans un univers, il a utilisé une langue, des mots, des formes, des genres littéraires, des figures de style, tout ça pour être au service du message qu'il veut nous faire passer. Et si je ne tiens pas compte de tout cela, si je passe à côté de tout ce travail qui a été fait par l'auteur, eh bien finalement, je vais passer aussi à côté du message qu'il a voulu nous transmettre. Et là, je peux faire dire la Bible tout et son contraire.